Shalom Ouvracha, allez un petit mot ce matin. Nous avons terminé la semaine dernière avec une époque extraordinaire lorsque tous les Israël, ils vivent, ils habitent en Égypte, ils étudient la Torah, ils font tous Torah mitzvot, ils sont tous entourés de Jacob Avinu, de Jacob, des Shvatim, des grands maîtres, des grands exemples. Et là, dans le début de la parasha Shemot, et donc on étudie à combien les Égyptiens, ils ont essayé de faire plein de techniques, comment ils vont pouvoir amoindrir les Bnei Israël. Il y a le passage qui nous dit comme ça, « V'chacher ya'anu oto » et combien il leur faisait souffrir, combien « Ken irbe v'chen ifrot » à combien ils essayaient de faire souffrir, eh ben la même mesure de la souffrance qu'il leur donnait, eh ben ken irbe y grandissait. Et donc nous aussi, on doit apprendre une règle. On doit apprendre une règle. À combien les difficultés sont difficiles, eh ben si on les surmonte, si on se met dans la tête que ces difficultés, on va les surmonter, ken irbe v'chen ifrot, ils deviennent automatiquement un tremplin. C'est ça, c'est les difficultés qui vont nous agrandir. Donc voilà comment HaKadosh Baruch Hu, comme la Torah elle veut, qu'on regarde ce qui nous arrive dans la vie et comment les surmonter. Chazak ou Baruch.